Salut à toutes! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo en fait d'un reçu d'une commande. Alors, donc pour celles qui cherchent, pour faire du scrap pas cher, vous avez en fait un site comme vente privée, showroom privé, tout ça. Donc, c'est un loisir créatif privé. Donc là, j'ai testé, j'ai commandé et j'ai reçu donc ma commande. Ça a duré, j'ai commandé ça il n'y a même pas 4 jours, je crois, donc ça a été vraiment très très rapide. Donc je voulais juste vous montrer quelques petites bricoles que j'avais commandées en fait sur ce site-là. Et donc on va commencer. Alors après, les prix, je les ai plus en tête, mais de tout ce que vous allez avoir, j'en ai eu pour 30 et quelques euros à peu près. Donc ça va, franchement. Voilà. Enfin, j'ai une perforatrice de bordure. Donc elle était à 3 euros je crois. Donc c'est pour ça que je l'ai prise 3 ou ouais 3 dans les 3 ou après vous en aviez à 5 parce qu'en ce moment en fait ils font tout leur site. Donc vous avez des ventes privées à côté et en même temps en ce moment sur leur site, il y a moins 50%. Donc en barre d'infos, je vous mettrai en fait le nom du site parce que je l'ai plus en tête comme ça si vous voulez faire un tour bah vous pourrez y aller et puis profiter des 50% qu'il y a en ce moment en fait sur le site. Alors j'ai pris un petit bâtonnet de colle comme ceci. Alors je sais pas comment il est à l'intérieur. J'espère que. Eh ben non. Voilà, ces petits trucs d'enfant. Je sais pas si vous allez voir. C'est en mousse en fait. Et moi je croyais que c'était un petit bâtonnet avec, vous savez, les pointes pour vraiment aller au bord. Eh ben non, bah tant pis. De toute façon, ça me servira quand même. Ça reste de la colle. Alors après j'ai pris toute une gamme en fait pour aller avec. Donc je vais commencer par cette gamme. Je sais pas comment vous dire. Je prends du boulot, je suis désolée. Donc j'ai pris ces washi, vous voyez, avec du rouge à lèvres. Celui du milieu, il y a écrit Kiss. Donc c'est la collection Kiss Makeup. Après, j'ai pris des papiers en fait comme ceci. Donc, pareil, des rouges à lèvres, du vernis, des bouches. Vous voyez, donc un petit peu. Donc, les papiers. Donc, c'est du petit papier. Et donc, en fait, après, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc, j'ai pris en fait un album comme ceci. Donc, qui fait toujours partie de la même collection en fait. Donc, de ça. Et puis des petits washi comme ça, je les ai trouvés sympas. Avec les petites bouches, les petits cœurs. Donc, peut-être rajouter quelque chose sur la couverture. Mais la couverture en elle-même, moi, j'aime bien. Et en plus, elle est rose et blanche. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas tester quelque chose avec ça. Donc, voilà, j'ai pris cette collection-là. Donc, ça, ce que je vous disais, il est dans les 4 euros et quelques. C'est le seul que je me souvienne. Et puis, la perforatrice de bordure. Après j'ai pris des petits stickers comme ça pour ma puce. Donc c'est des stickers princesse. Alors après il y avait aussi des pirates et je sais plus. Pirates et aventures je crois. Ou animaux. Donc j'ai hésité. J'ai dit bon j'ai pris ça. J'ai trouvé ça rigolo. Donc après apparemment à l'intérieur il y a deux petites plaques. Donc le jour et la nuit si vous voyez bien. Et après on peut coller les stickers dessus. Ou alors, le coller sur du papier, elle verra bien ce qu'elle en fera. Après, c'est pas pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc des petits stickers transparents comme ceci. Alors, toujours pour la gamme, en fait, Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre quelque chose derrière pour que vous y voyez mieux. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Pour aller toujours avec ben, les papiers et puis l'album. Je ne vais pas y arriver. C'est dur de se lever à 5h30. Après, j'ai pris des petites feuilles comme ça de saison. Enfin, je les aimais bien. Le petit hibou là avec son petit bonnet là, il est trop marrant. Et même eux là, enfin, je les ai trouvés super sympas avec les petits bonnets comme ça en laine d'hiver. Après, j'ai pris ces petits personnages. Je les ai trouvés trop choux. Les petits enfants comme ça. Bon, après, il y en avait plein. Bon, je me suis retenue, j'ai pas tout pris. Alors, je crois que c'est 30 centimes la feuille.
quelque chose comme ça, en sachant qu'il y a 30%, donc normalement il est vendu 60 centimes. Mais je vous mettrai le lien, vous inquiétez pas, en barre d'infos. Donc j'ai pris ces petits oiseaux-là, je les ai trouvés mignons aussi. Et après, j'ai pris ça, qui est plus, voilà, pour cet automne. Le petit renard. Donc dans les couleurs d'automne, que j'ai trouvé bien. Après, j'ai pris des petits stickers comme ceci, des mains et des petits pieds. C'est rigolo pour caler dans des petits endroits. Voilà. Après, j'ai pris des tags. Alors, c'est la marque Artemio. Vous voyez, donc ces couleurs or et noir. Donc là, vous avez tout ça comme modèle. Pareil, je n'ai pas payé ça cher. Hein. Franchement, tout ce que je vous montre là, j'en ai pour 30 euros à peu près. Donc, et là, vous voyez, vous avez du Artemio et tout. Donc, ça vaut le coup. Franchement, allez voir sur ce site. Et en fait, c'est comme vente privée. Donc, du coup, vous avez. Donc, là, c'est des petits stickers. Hein. En même temps, je vous parle. Et donc, du coup, suivant les ventes, vous pouvez tomber sur une vente Artemio. Vous pouvez tomber sur des ventes. Je sais pas, moi, des ventes. De toute marque en fait. Là, il y avait la vente Cléopâtre. Je ne sais pas si elle y est encore. Vous savez, la colle qui colle super bien. Donc, vous avez en fait plein de petites choses. Donc là, j'ai pris des petites perles Artemio comme ceci, qui sont super sympas aussi au niveau des couleurs et tout. Après, j'ai pris. C'est bientôt la fin, ne vous inquiétez pas. Alors du papier comme ça, en fait, donc c'est un kit pour faire des cartes ou pour faire un mini-album ou quelque chose comme ça. Et franchement, le papier, je l'ai trouvé, mais super beau. Donc, regardez, là avec la ville. Donc après le reste, c'est noir. Et donc c'est dans les tons de violet et argenté comme ça. Et voilà, donc je vous montre l'image, tout ce qu'il y a dedans. Donc je ne vais pas l'ouvrir là, mais je les ai trouvés jolis. Donc j'ai ça aussi, donc c'est des petits, alors je ne sais pas le nom, alors là on peut faire une boîte, et après voilà c'est des petits embellissements qu'on découpe, donc toujours dans les tons Noël, je les ai trouvés jolis aussi, donc c'est cartonné, donc c'est bien. J'ai pris un petit washi, comme ceci, parce qu'il me plaisait bien. En rouge. Alors ils ont plein de washi aussi, vous en avez plein à 1 €, 1,50 €, 50 centimes, enfin vous avez le choix de. Vous avez vachement de choix en fait dans leur truc. Et après donc j'ai commandé des feuilles toutes seules. Pareil, vous avez un choix de feuilles énorme, vous avez des gros paquets, mais franchement ça fait vraiment pas cher avec les 50%. Donc, si vous pouvez y aller, allez-y pour profiter en fait. Donc, j'ai pris. Bon, après, c'est des couleurs sobres. Hein. J'ai pas pris forcément des couleurs estivales. Donc, j'ai pris celui-là. J'aimais bien les couleurs. Et puis, les couleurs pastel, elles étaient super jolies. Alors, derrière, après, elles sont toutes, vous voyez, bleues comme ça. Elles sont pas doublées. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Je me rappelle même plus ce que j'ai pris. Trois. En fait, ils m'en ont mis. Ah mais non, en fait, c'était un lot de paquets. Je vous dis n'importe quoi, je crois que j'avais pris plusieurs feuilles en fait et non. Mais je suis pas sûre que j'ai toute ma commande. Je regarde, je sais pas s'il l'a envoyé en deux fois ou pas, parce que il me semblait que j'avais pris plus de feuilles, mais je regarde. Hein. Après, je ne vais pas prendre mon téléphone en vous et commencer à regarder partout. Donc voilà, pour ce reçu de colis, donc en fait c'est pour vous dire que voilà il y a des bons plans en fait, pas forcément d'aller sur les sites, je vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de voilà d'avoir des soucis ou quoi qu'est-ce, mais aller sur des petits sites comme ça quand il n'y a pas trop de moyens et vu le prix pour le scrap, moi je dis ça vaut le coup. Après là je suis sur un groupe Facebook aussi où on peut revendre en fait ce qu'on ne se sert pas, les feuilles, les tampons, les découpes. Et donc c'est pareil, ça permet d'avoir en fait des choses de scrap pas chères. Donc là, moi j'ai commandé sur un de ces groupes une Scorpal que je veux depuis perpète. En plus, c'est une 30-30. Voilà. C'est une. Je ne sais plus la marque. Enfin, moi, elle vaut 80 euros.
Voilà, c'est une Martha Stewart, je ne me rappelle plus le nom. Donc là, il y a le petit rangement pour y mettre. Donc, voilà, après, il y a tout. En plus, elle est comme neuve. Elle me disait que ça n'était pas servi. Donc voilà. Et en plus, derrière, j'ai le petit coin pour après faire si j'ai besoin. Voilà, comme ça. Donc j'en voulais une depuis longtemps. Je regardais les prix sur internet et franchement, c'est pas donné quoi. Et quand on voit le prix de celle-là, voilà. Alors pour vous donner une idée, je l'ai acheté 15 euros sans frais de port. Donc avec les frais de port, j'en ai eu pour 20, une vingtaine d'euros. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire en fait. Bon, j'arrive pas à mettre le truc, j'en ai pas assez. Juste pour vous dire qu'on peut trouver des bons plans. Donc là, normalement, je tombais aussi sur un bon plan, sur le bon coin. Donc si j'arrive à voir la femme qu'elle arrive à me rappeler, parce que j'arrive pas à la voir, j'ai pas son numéro, ben, vous allez voir tout ce que je vais avoir en fait pour ben, pas grand-chose. Donc voilà, c'était le petit mot du jour, de ne pas vous presser en fait sur beaucoup de sites où franchement, au niveau des prix, moi je trouve que ben, ils profitent. Moi, je sais que AliExpress et tout ça, c'est super. Et je vous dis ça parce que moi, je fais aussi le cake design, vous savez, les gâteaux décorés, tout ça. Donc, je vous mettrai ma page en barre d'infos pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et c'est pareil, direct, si vous allez acheter le moindre petit truc pour faire la pâte à sucre, mais ça vaut, c'est hors de prix. Alors que bah, vous avez des sites, pareil, où c'est pas cher. Ou les moules en silicone pour faire la pâte à sucre sur AliExpress. Bon, ben voilà. Donc... Moi, je dis, faut fouiller. Après, ben, pas avoir peur d'acheter de l'occasion. Comme là, franchement, ben, elle est nickel, quoi. Elle est nickel. Elle, ça la débarrasse. Moi, ben, ça m'arrange. Comme ça, ben, tout le monde est content. Donc, on peut se faire plaisir, des fois, à bas prix. Donc, voilà. Parce que surtout quand je vois les prix. Là, en fait, excusez-moi, je travaille dans le froid et je crois que j'attrape un rhume. Bon, je vais le mettre après, je vais pas m'agacer dessus parce que sinon j'aurai des pouces en bas. Non, j'en étais où en fait? Oui, je veux pas que ma vidéo dure 2 heures, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, qu'avec pas beaucoup de moyens, on peut se faire plaisir et faire du beau scrap. Et c'était pas ça en fait que j'étais en train de vous dire, je m'en rappelle plus. Si, voilà, je veux m'acheter un planeur. Planeur. Le planeur. Alors, comment dire? C'est super joli. Ok, c'est super. Moi, j'adore. Alors là, j'ai regardé sur AliExpress. Et là, je reviens de Cultura parce que je voulais voir quand même. En fait, AliExpress et Cultura, c'est le même prix. Je suis tombée sur des planeurs à AliExpress à 30 euros. Et à Cultura, le même blanc avec des pois et tout, 30 euros. Donc ça vaut pas le coup d'aller s'en mettre à attendre 3 semaines, 1 mois pour le même prix. Mais quand je vois le prix d'un planeur, après, il y a des filles aussi qui en revendent. L'autre fois, 80 euros le planeur d'occasion. Ok, c'est de la marque, mais ça reste un. Voilà, un planeur quoi. Et après, donc, il faut rajouter des choses dedans. Et les choses dedans, ça coûte, mais une blinde quoi. Donc. Après, c'est super sympa, mais c'est des choses quand même qui restent relativement chères pour la vie d'aujourd'hui. Et moi, je trouve que pourquoi mettre aussi cher alors que voilà. Et, même quand c'est de l'occasion, franchement, 80 euros, moi, ça m'a scotché. Je suis restée sur le. Ouais, voilà, on va pas le dire. Mais bon, après, chacun son budget. C'est vrai qu'on n'est pas tous. Voilà. Mais bon, après, il faut arrêter un peu la bêtise, comme on dit, quoi. Donc voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule par rapport au prix, en fait, du scrap et surtout des planeurs, tout ce qui est comme ça. Après, tout ce qui est, je vous dis, cake design et tout. Enfin, c'est hallucinant, quoi, juste pour un moindre petit truc. Parce que c'est pareil, dans le cake design, il a fallu que je m'équipe, mais que je m'équipe parce que pour faire des coupes droites, des machins, enfin, il vous faut plein de choses. Et puis les moules. Et au final, là, j'en fais de moins en moins. Et en fait, ça revient vite, vite, vite cher. Hein. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse sur ces pensées matinales.
Bon, il va être midi, mais sur ces pensées matinales en fait que je peux avoir par rapport à ça. Et mais c'est pour ça que je voulais vous faire profiter en fait de ce bon plan. Donc je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller faire un tour, surtout en ce moment où le site il est tout à moins 50%. Donc bah, vous allez pouvoir vous faire plaisir pour pas grand-chose en fait. Et puis voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc sur ce, bah, écoutez. J'ai vu que j'avais des pouces en bas, donc je vous ai dit si vous mettez un pouce en bas, dites-moi pourquoi vous mettez un pouce en bas, parce que j'aimerais, je veux savoir en fait ce qui vous plaît pas, si c'est ma tête, si c'est mes commentaires, si c'est mes vidéos, surtout sur des hauls quoi. Je vois des hauls. Bon après, il y a peut-être des trucs que je dis mal ou que je parle mal, enfin j'en sais rien. Après, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire, là, donc je vous ai fait une expression, bah, dites-moi si j'ai raison, si j'ai tort, si bon, mais pour vous, après c'est sûr que les filles ou les personnes qui ont des moyens vont me dire, ouais, mais non, tu craques. Mais bon, et puis il y a des jeunes aussi, je vois là tout à l'heure à Cultura, il y avait deux petites minettes. Enfin bon, voilà, après à mon avis, elles n'ont pas non plus budget pour aller chercher des choses à embosser. Elles ont fait demi-tour quand elles ont vu les prix des trucs, quoi. Moi, je voulais de l'encre, la moindre petite truc d'encre comme ça, c'est 10 euros, quoi. Surtout qu'après, il faut racheter parce que ça ne dure pas non plus. Une fois qu'on a tamponné beaucoup, beaucoup, donc, voilà. Donc si vous êtes d'accord avec moi, ben, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi on n'est pas d'accord. Au moins, ça lancera un petit débat, ça peut être bien. Et donc, je voulais remercier parce qu'on est monté à 71 abonnés. Ben, donc, merci beaucoup pour celles qui me suivent. Puis, bon, et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et puis voilà, mais sur ce, bah, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bon week-end parce qu'on est samedi aujourd'hui. Enfin, pas pour moi parce que je travaille demain. Mais bon, sur ce, à moins que je vous fasse une autre petite vidéo tout à l'heure, je ne sais pas encore. Si j'ai réussi à voir Madame du Bon Coin, ça serait trop top parce que je vous dis, c'est un lot. Il me tarde de l'avoir au téléphone. Enfin bon, voilà. Mais sur ce, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Avec le soleil, enfin que nous on a en Corrèze, après je sais pas chez vous, mais je vous dis à plus tard, hein? Allez, ciao ciao, bisous.